Et salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 4 de Minecraft Hardcore. Un nouveau monde, et oui, c'est un nouveau monde qu'on est en train de découvrir. C'est un nouveau monde qui est peut-être en train de se créer sous nos yeux ébahis parce que il se passe des trucs pas normaux sur cette île. Vraiment étrange. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas bougé. Là, vestimentairement, j'ai pas bougé aussi. J'enchaîne, parce que, tout simplement, je suis un peu accro à ce jeu, j'ai l'impression. On va explorer ce petit morceau d'île que, où je suis là, directement. Il y a quoi ici, là? Petite structure... Ah oui, il y a du monde, là. Ok, il y a des zombards. Dès qu'il y a des zombards, on prend le fusil à pompe. Non, non, pas prendre un fusil à pompe pour eux, ils sont nuls. Vas-y, vas-y, barre-toi. Vas-y, ça dégage. Vas-y, je remonte. Trop chaud, trop chaud. Est-ce qu'il y en a un qui a un flingue? Lui, il a un flingue, lui. Ouah, je me fais enchaîner. Ouah, ouah, ouah. Eh non, mais faut pas que je sois trop... trop présomptueux de mes forces. Hein. Ok. Il y a un petit livre. Ok, petit livre. Alors, cette mine me semble être un endroit sûr pour se reposer quelques instants. Pourquoi j'entends des grognements partout autour de moi? Ok. Bon, ça a dégénéré. Bon, du coup, il nous a pas trop appris... Il nous a pas appris grand-chose, hein, lui. Pas terrible. Pas terrible. Alors, qu'est-ce que on a fini ici? On va aller par là-bas, maintenant. Ok. Là, il y a une petite maison. On va aller voir. Peut-être que j'ai déjà fait ça, là, non? Je sais pas. Oh, ici, j'ai déjà fait. Ok. C'est quoi, ça? C'est quoi, cette horreur, là? Mais what? What? Mais quoi? Mais c'est quoi cette merde? On peut pas le miner ça aussi hein. C'est incroyable ça. C'est chelou ça. Ouais, petite maison ici. Ok, très bien. Il y a un levier là. Pas de servir à grand chose. Il y a du monde là-dedans ou pas? Non, il y a personne. Peut-être déjà fait, hein. Ah, mais c'est possible, oui, je l'ai fait au tout début. Épisode 1. Là, y'a du monde ou pas? What? Y'a personne ici aussi. Ok. On va tout prendre. Bon, écoutez, ça m'arrange. Ça m'arrange. Le livre. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Des dinosaures. Mais c'est ça. Ok. Des créatures cheloues dévorant tout sur leur passage. Mais c'est ça. Des squelettes. Des zombies. Mais c'est ça! Ok. D'accord, bon. Bon, ben on sait qu'il y a des dinosaures, on sait qu'il y a des créatures cheloues. Il y a moyen que ce soit le truc que j'ai rencontré là. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Alors ici, il y a quoi là? Ouais, ici, c'est peuplé. Pistolet, allez, deux ont des flingues. Ok, bon. Ça va y aller aux pompes. Hein. J'ai plus de balles! Oh mon dieu! Attends, patiente. Je vais aller au Colt. On va voir un peu, on va tester le Colt. Quoi, c'est de la merde cette arme. Quoi, il explose dans tous les sens. Vas-y, ça dégage. Et c'est nul le Colt. Putain, j'avais plus de balles sur mon pompe quoi. Bon, je vais le garder pour l'instant le Colt. Voilà, alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans aussi. What? Obsidienne? Steel Ingo. Ok. Ouais, un petit livre. On va voir ce qui se forme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le livre? C'est trop la hesse ici. Avec Julien le Corse, on a planifié de s'enfuir de l'île demain soir. Et merde, Julien s'est fait bouffer par Rex. Ah bah bravo. Il ne reste plus que Touvenot et moi maintenant. Ok. Bon bah Touvenot s'est fait emballer par un stégosaure. Ah bah super. Je pense que je suis seul, mais je n'irai plus très loin. Il y a Badver qui m'a rejoint. Il a un teint vert et me rate d'une drôle de façon. S'il avait un teint vert, le gars, y a moyen que... Il était pas trop normal, ça n'allait pas très fort. Ok, bon, en général, j'ai l'impression que ça tourne mal, hein, pour les gens qui sont dans des maisons et tout. Enfin, toi, mon pote. Voilà, c'est bon, Spin. Ah, par contre, il va faire nul, en vrai. Vas-y, je vais pioncer, hein. Je vais pioncer ici. Paf. Alors, mon petit lit. Alors, du coup, ouais, on a quasiment tout fait. Il y a la grosse base militaire qui est devant, mais vraiment... je suis pas très chaud. J'ai vraiment peur de mourir. Si je meurs, c'est fini. C'est terminé. Y'a plus rien. Fin de la série. Fin de l'histoire. Je peux le faire en faisant très attention, mais là, je me sens un peu foufou en ce moment. Donc bon.
Et puis en plus, il y a cet hélico là de malheur. Est-ce qu'on peut le. Je sais pas si on peut le descendre, l'hélico, en lui tirant dessus. J'ai aucune idée. Oh, il y a un truc là. Ah, attends, on va y aller comme ça. What? Ça a pas marché? Petite mine, vas-y. Ok. Ah, mais vous êtes fous. Ah, il y a encore un spawner. Ok. J'ai pas mon bouclier en vrai. Ouais, je regarde la map. Ok, c'est bon, c'est libre. Un petit livre. Ok, qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Eh oh! Soldat et mineur, pourquoi suis-je venu ici? Je ne suis même pas protégé. Destro s'est fait bouffer hier soir. Aujourd'hui, c'est au tour de Rambo Rougi. Demain, certainement le mien. Bon, ça tourne mal quand même. Ça tourne mal pour les gens, j'ai l'impression ici. Ça, c'est bon, je crois qu'on a compris. Je crois qu'on a compris qu'il fait pas bon d'être sur cette île. Ça, c'est une valeur sûre. Alors, je vais manger un coup. Ouais, j'ai failli faire une connerie. Je vais prendre mes pommes en main. Et ouais, non, il y a trop. Vous avez vu? Est-ce qu'on peut le descendre, cet hélico là? Ah oui! Faut que je le bute! Faut que je détruise l'hélico! Je crois que ça marche pas en fait! Fonctionne! Oh, il fait des bruits bizarres! Allez! J'ai encore des bols! C'est hyper résistant, hein, c'est abusé. Yes! What? Eh, il en a fallu, j'ai cramé tellement de chargeurs. Est-ce qu'il m'a droppé un truc? Cybernétique? Roquette? Rifle rounds? Ok. Bon, lui, il a un snipe en vrai, c'est clairement pas du jeu, quoi. Ils sont trop résistants quoi, c'est abusé. Ouais, mais ils sont trop résistants. C'est un peu risqué ce que je fais là. Je vais tenter une incursion. Ok, on est chez eux là. Ici c'est bloqué. Y'a quoi là-dedans là? C'est quoi ça? Je sais pas du tout hein. On dirait un kit de soins, un truc comme ça. Anti-rad. Mais y'a tellement de trucs. Ok. Ah bon, des flingues. Ok, très bien. Incendia. Un lance-roquette. Paf! Ils l'ont pas vu venir celui-là! J'en ai encore des roquettes. Hein. Allez, recharge, c'est bien ça. Très bien, lance. Ouais, j'ai fait un trou, laisse tomber quoi. J'ai tout pété quoi. Ah, il y a du stuff! Ok, on va chercher ça. Il y avait un sniper. Il y a des balles. Ok, des trucs de merde après. On prend tout, on verra ce qu'il y a après. Dans le sac. On va poser hein. Rifle rounds, j'ai pas. Rifle. Mais si, j'ai des rifle rounds. Ben voilà, ben c'est bon. On va l'utiliser, on va tester. What? Stop! Qui a osé? Mais what? Y'a des zombies! Mais c'est de la merde, votre base! Comment ça, y'a des zombies dans votre base? C'est parce que j'ai pété l'entrée. Ok. Pouf. Ouais, il est vénère lui haut. Pomme en or. Pomme en or. Wow. Il m'attaque avec quoi? Mais what? Dégage. C'est ouf. Il est pas très fort le snipe. J'ai testé celui-là là. Il m'a l'air plus fort. Oh oui, ça c'est bien ça. Oh oui, ça c'est bien ça.
Ça va respawn. Spawn kill. Ouais ouais, le sniper c'est mon arme. Bref, on va retourner ici, on va voir ce qu'il y a. Parce que là il y a vraiment beaucoup de trucs. What? Il y a tellement de trucs. Je sais pas par où commencer. Si je prends une hache, parce que ça va pas aller plus vite. Ah oui. Oh, il y a des flingues. Je vais pas m'en sortir. On va mettre tout ce qu'on trouve ici. On verra après. On fera le tri après parce que là c'est le chaos. Dans ma tête aussi c'est le chaos. Ranger. Mousepit. Oh c'est bien ça. Ranger, elle est top. Vas-y, je me mets comme ça. Paf. Le Ranger, moi. Night Vision. Ok. Et comment on active la night? Ça fait une diff. Ah bah il fait jour. Ok. Oh c'est trop bien, j'ai des lunettes de vision nocturne. Mais ça tue. Ok. Il y a quoi d'autre? Béret. Ah ouais. Ok. Je pense qu'elle est... Elle est un peu moins bien que ce que j'ai, mais franchement. Un petit béret militaire comme ça. Pas trop stylé là. C'était Ralasland. Ok. Bon, je vais tout poser. Je vais garder juste ça là, parce que j'aimerais bien le tester. Ça je le pose. Le lance-flamme, on s'en fout. Ah oui, il y a le livre à faire aussi, c'est vrai. Rapport à remettre au QG. L'opération menée par le sergent Itomi. Les déserteurs ont été punis. Leur abri de fortune a été détruit. Ça n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se fassent rattraper par l'île. Ah bah ça, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt, je pense. L'avant-poste sud-centre est opérationnel. Ok. L'opération de nettoyage de la zone sud-centre attend vos ordres pour débuter. Le suspect répondant au nom de Togmar n'a toujours pas été neutralisé. C'est moi qui vous ai neutralisé, les gars. Perte, 4 morts, 2 désertions. Un peu plus maintenant. J'ai agi. Bah ouais, mais attendez, ok, si, les gars. Bon, bah écoutez, on a fini. On a fini, on va pas rester non plus. Trois plombes ici. Où est-ce qu'on peut aller? Putain, c'était même pas fermé, quoi. Bravo. Alors, on en est où? Moi, on en est qu'on a pas mal avancé. On a pacifié tout le sud de l'île. Bon, maintenant, on manque plus qu'à aller voir le nord. Alors, il y a ici. Très bien. Oh, il y a une autre base militaire. Il y a un Pachy. Tu dis quoi, toi, en fait, le Pachy? Je suis devenu fou. Cette île m'a mangé le crâne. Voilà, il y a des grognements dedans. Il y a des grognements. Donc, on va quand même tester notre grenade launcher. Il y en a quand même 6 dedans. Alors, c'est quoi si je fais ça? Oh, c'est tellement décevant. Mais quoi? Oh, c'est trop décevant. Et là-dedans, oh! Paf! Voilà! Ok, bon, ouais, tu veux quoi, toi? Je teste la M4. Oh, attends, je vais la tester sur le zombie. Vous savez, je suis parti en bruit. Désolé, la nature. 3 balles, ok. Cette île m'a rendu fou. Petite perle de laine, petit livre. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce livre? Après le débarquement, tout a dégénéré. Lord Sac, Joa et moi avons fui le QG situé plus au nord. On va attendre ici que les choses se calment. Les choses ne se calment pas. La situation empire de jour en jour. Lord Sac est devenu étrange. Il a mangé sa propre main. Ce n'est pas un comportement normal, ça, non? C'est au tour de Joa. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est à mon tour. Je vais essayer de m'éloigner d'ici, essayer de trouver de l'aide. Ah, on les connaît ceux-là, non? Ça, je pense, dégénéré aussi pour eux. L'île a happé tout le monde. En vrai, n'empêche, les dinos, ils sont vachement bien modélisés, hein, mine de rien. Ils sont beaux, hein. Là, le T-Rex qui est là-bas, regardez, il est quand même super beau. Je m'y attends pas beaucoup, c'est vrai. Je suis à fond dans mon truc, là. mais en vrai, c'est beau. Et puis, il y en a quand même beaucoup de différentes sortes. C'est tout ça. Il y a du monde ici. Oh, t'as un flingue, toi? Ah, tiens, vas-y. Tu veux quoi, en fait? What, il a un flingue? Ouais, mais c'est bon, j'ai ma M4 là, je crains rien. Oh, on peut viser. Paf, tiens, dans ta gueule. Dans tes pieds plutôt. Ça, c'est un truc de ouf, ils explosent quoi. Ils explosent les zombards. Bon, ça continue à clean. Hein. Et rien ne respawn. Hein. Du coup, c'est fini. Une fois que c'est clean. Hein. Donc, on va fermer ici. Waouh, wow, j'avais pas mes blocs. C'est terriblement dangereux de pas avoir ces blocs. Hein. Ok, on va fermer tout là. On sait pas s'il y a des trucs qui peuvent rentrer. Là, y a rien. Là, y a rien. Comme d'hab. Jamais rien là-dedans. C'est juste un petit lieu de vie. Hein. Tranquille.
où les gens essaient de se réfugier parce qu'ils ont compris que c'était la merde. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a un petit diamant. Ok, on prend. Oh, c'est encore le chaos. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? Starkey est venu me voir, il m'a dit qu'il avait besoin d'aide. Et du coup, ça a un rapport avec ce qu'on lisait à côté. Mais là, chacun ses problèmes. Ah bah, bravo. Je ne peux plus rien pour lui. Je dois déjà m'occuper de Biri. Il va mal. Il s'est fait attraper par une de ces sales bêtes. Et depuis, il ne parle plus, il grogne. Je ne sais pas ce qu'il se passe ici, mais les choses ne tournent pas rond. Ça, c'est sûr. Ouais, cette île commence à me courir sur l'haricot, donc on va remettre les choses en place. Hein. Vraiment, moi, j'étais venu ici là pour passer un bon moment en tant qu'aventurier, me rapprocher de la nature. Et voilà ce qui m'arrive. Je vous le dis, c'est pas possible. Il y a quoi là ? Là, il y a que c'est fait. Là-bas, est-ce que c'est fait aussi ? C'est plus trop. Déjà, c'est pas ouvert. Peut-être pas, hein. Y a personne, je suis quand même bourré en fait, mais du coup peut-être que là-bas c'est pas fait. Hein. Qu'est-ce que ça dit ici ? Ah ouais, bah ouais, on a failli passer à côté de quelque chose. Ok, alors qu'est-ce qui se trame ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi être aussi corrompu ? Moi je vais devenir éleveur de dinosaures et me faire un troupeau de tricératops pour me défendre. Oh, y en a, ils ont craqué complet. Hein. Donc ici, pareil, qu'est-ce qui s'est passé ? T'avais un voisin un peu fou, visiblement. Je crois que le soldat qui est arrivé a totalement disjoncté. Ah ouais. Il s'est installé à côté de moi et j'ai peur qu'il me fasse se repérer. Il est trop bruyant. Je vais aller ouvrir discrètement sa porte la nuit. On verra bien s'il va continuer à être aussi bruyant. Bah, sympa celui-là. J'ai vu un homme cette nuit. Il avait une tronçonneuse à la main. Il m'a couru après, mais est finalement allé chez le voisin. Je pense qu'il ne fera plus de bruit. L'homme à la tronçonneuse est revenu. Il ne me laissera jamais. J'écris mes derniers mots. Je pense que je ne passerai pas la nuit prochaine. Thiago Odigé. Quand même assez terrible tout ce qui se passe. Il y a un psychopathe sur l'île en plus de tout ce bordel. C'est ça les gars ? Non. Pas ça quand même. Tout mais pas ça. Où suis-je du coup ? Parce que là, Mais je suis parti super au nord en fait. Mais je suis quasiment chez moi en fait. Je vais te capter là. Mais j'ai complètement dérivé, hein. Oh, la chèvre. Non, ça... Alors là, il y a une base. Je pense, en vrai... Mais en vrai, ça va être super simple, la base, non ? Avec le lance-roquette et tout, là, je l'ai dégommé en 2 secondes, en fait. En tout cas, cette attaque se fera dans le prochain épisode. Pour l'instant, on se rapproche un petit peu de comprendre ce qui se passe. Il y a des bases militaires partout, des dinosaures, on nous parle de bestioles, de gens qui se transforment en zombies, il y a beaucoup de zombies, beaucoup de militaires qui ont fui. On a entendu parler d'un QG, d'une base principale. Il y a tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, toujours pareil. Je vous dis le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite cloche pour savoir quand ça arrive. Sachez qu'il me reste qu'une chose à vous dire, c'est tout le monde.